let us know what your name, club, area, and number of years you've been a Toastmaster. Rona Servin, ça fait depuis 2013 que je suis membre officiel d'un club. 2012, quand j'ai commencé à participer avec Toastmasters, je suis membre de deux clubs officiels, Decisive Toastmasters et IBM Ottawa Toastmasters, et je suis en train de former un club francophone à Canada francophone. Wildest adventure Toastmasters has led you? Je pense que l'aventure la plus grande pour moi dans mes années Toastmasters, c'est, je devrais dire, c'est maintenant. Je suis membre du trio directeur de la croissance des clubs et travailler en groupe pour tout le district, ça, c'est un défi grand que j'accepte, et il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à faire certain qu'on distribue à travers le district les programmes, les informations de marketing, tout ça, c'est un grand défi et c'est assez brillant. L'autre aventure que j'ai suivi avec Toastmasters, c'est dans 2015, j'ai représenté la division B dans le discours international. Et c'était la première fois que j'ai fait compétition dans le discours international. Et je m'ai trouvé sur l'estrade à Montebello, à regarder 250 personnes dans la salle. Et j'avais aucune idée à qui regarder. C'était un grand défi pour moi. J'ai beaucoup appris de l'expérience. Et j'ai hâte, des années après que je sors du trio, de retourner en compétition pour voir si je peux finir un peu plus meilleur que j'ai fini la dernière fois. So how has Toastmasters inspired you? L'inspiration de Toastmasters, pour moi, ça vient de mes collègues dans le programme. Il y a beaucoup de gens que j'ai commencé Toastmasters avec dans mon club originaire de Decisive, au temps qu'il était nommé IBM Palladium. Et ces gens-là, j'ai vu grandir, j'ai vu devenir de plus en plus confiant durant les années. Et le fait que j'ai participé dans ce changement d'une manière petite, ça me donne beaucoup d'inspiration et ça m'aide à me dédier à Toastmasters dans différents rôles comme directeur de la croissance des clubs. What's the biggest gain you have seen in yourself since the beginning? Pour moi, le plus grand changement personnel, c'est dans mon habileté de donner les rétroactions, les évaluations. Juste avant de me joindre à Toastmasters, j'ai devenu gestionnaire de mon groupe au travail. Et au début, j'avais de la difficulté à donner des rétroactions avec impact. J'utilisais des techniques j'utilisais des techniques qui ne fonctionnaient pas. Après un peu de pratique avec Toastmasters, j'ai évolué ma technique et je suis j'ai évolué ma technique et je suis plus confortable à donner des rétroactions avec plus d'impact, avoir les discussions difficiles avec les employés pour faire certain qu'ils comprennent les choses qu'ils doivent améliorer et certainement les choses qu'ils font vraiment bien. Ça a un impact vraiment personnel avec les gens qui travaillent pour moi. Un changement que je vois beaucoup. Je suis en train de changer d'emploi. Après 14 années avec IBM, je quitte dans quelques jours. Et les rétroactions et les discussions personnelles avec les gens que j'ai dirigés durant les dernières 6-7 années m'ont
chauffé le cœur parce qu'ils m'ont laissé savoir l'impact que j'ai eu sur eux personnellement et sur leur carrière. Et c'est quelque chose que je vais me rappeler de toujours. What's been your best memory? Ma mémoire favorite à Toastmasters, je pense qu'il n'y en a pas seulement une, mais je vais essayer d'en choisir une. What did I say last time? Why? I forgot what I come up with. Let me think. Let's go to the next question. I'll come back. Okay. What, how do you feel about table topics? Les discours improvisés, je trouve, c'est un outil exceptionnel qu'on a à Toastmasters. Nous donner la chance de pratiquer comment développer un discours sans préparation, de formuler nos pensées sans savoir en avance c'est quoi qu'on va discuter, c'est une habilité essentielle. Qui donne la confiance, qui donne l'impression à tout le monde alentour de vous que vous connaissez vos affaires, que vous êtes quelqu'un qui peut être fié, qu'on peut fier dessus. And what value of Toastmasters resonates with you the most? Integrity. La valeur qui me touche le plus à Toastmasters, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est pas donner la parole puis garder la parole n'importe comment. C'est vraiment donner la parole et faire certain qu'on peut faire le poursuivi. Et des fois, les choses changent et on ne peut pas exécuter exactement ce qu'on a dit qu'on voulait faire. Mais faire le poursuivi avec les gens, faire certain qu'ils sachent c'est quoi la situation maintenant, c'est vraiment important. Et définitivement, les rôles de leadership à Toastmasters nous donnent la chance de pratiquer cette valeur de jour en jour. C'était président de club, faire certain qu'il y a un plan de succès pour votre club en place. Si vous êtes directeur de secteur, faire certain que vous soutenez vos clubs. Si vous faites la promesse de donner du matériel au club, faire le poursuivi, faire certain que le matériel se rend au club dans un temps dédié, dans un temps limité, c'est essentiel pour le succès de tous les gens alentour de nous. Et savoir prendre cette valeur et la mettre à cœur et la mettre en pratique de jour en jour, c'est une des choses qui résonne avec où se forment les leaders. C'est cette valeur au cœur qui, pour moi, créer les leaders à Toastmasters. Great, thanks. I don't, yeah. Okay. We don't need to worry about cast memory.